Mesdames et messieurs, tout le plaisir est pour moi de vous retrouver pour vous présenter votre magazine de prédilection Kiosque, c'est le magazine de la rédaction de Canal Congo Télévision. Après l'investiture du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'heure est à présent aux actions concrètes. La question que l'on doit se poser de toutes les lèvres ici est celle de savoir si le président de la République va-t-il consolider les acquis en privilégiant l'intérêt supérieur de la nation, surtout en termes du social, ou les erreurs du passé vont-elles se répéter? Analyse et commentaires sur Kiosque. Et ensuite, nous allons donc parler de la situation de la ville, province de Kinshasa, avec le départ de Jean Tiningo Bila. Est-ce que l'actuel gouverneur Jekoko Mulumba va-t-il privilégier l'intérêt supérieur de la capitale, surtout en termes de l'assainissement de la ville-province de Kinshasa, et puis un certain nombre de problèmes qui se posent dans la capitale. Analyse et commentaires sur Kiosque. Kiosque de ce jour reçoit Joseph Kongolo. Bonjour. Bonjour Eddy, bonjour à tous les co-débatteurs qui sont autour de cette table. Je salue les auditeurs, je salue aussi les spectateurs de Kiosque. Ben voilà, Eddy, nous sommes là pour répondre à toutes les préoccupations et peut-être échanger des idées avec les co-débatteurs. Très bien. En face de José Kongolo, Serge Nseka. Salut. Bonjour, merci de l'invitation. Salutations à ceux qui nous suivent ici et partout. Monsieur Gandhi, Bonjour. vous êtes le bienvenu sur Kiosque. Merci de vous revoir de nouveau après une petite longue absence. Je salue aussi mes co-débatteurs et puis remerciements à votre chaîne qui ne cesse de nous inviter pour pouvoir échanger avec les collègues, mais aussi avec les téléspectateurs. Donc voilà, c'est reparti pour un renouveau, je l'espère, dans tous les sens du mot. Très bien. Avant d'entrer de plain pied avec notre magazine Kiosque, j'aimerais que l'on puisse d'abord aborder cette question hein, des échauffourées à la fin du match RDC-Maroc où la CAF a ouvert plutôt une enquête contre la FECOFA et la Fédération marocaine de football. Monsieur Joseph Kongolo, en tant qu'analyste, comment interprétez-vous ça? Bon, d'abord, c'est une bonne chose. Nous, on était devant la télé et on a vu tout de suite une situation qui s'est dégénérée sur le terrain. Nous pensons que dans une messe de football, il y a des comportements, des attitudes qui doivent être bannis. Et en particulier, c'est ce genre de combat à distance, de combat, de tiraillement devant les autorités, devant le monde entier. Je crois que ce sont des scènes qui sont à bannir pratiquement de cette fête du football. Et nous pensons que les enquêtes que la CAF ou la FIFA a dû ouvrir va nous éclairer du moins sur le fond du contentieux qu'il y a entre l'entraîneur, n'est-ce pas, de l'équipe du Maroc et le capitaine de la République démocratique du Congo. Mais apparemment, dans les lectures que j'ai eu à voir sur la toile, apparemment, c'est comme s'il y a eu des paroles racistes à Oui. l'endroit du capitaine de la République démocratique du Congo. Et peut-être, par élégance, il ne voudrait pas, le joueur n'a pas voulu déranger peut-être l'entraîneur, déranger l'entraîneur ou l'équipe du Maroc en général, Oui. parce que s'il arrive à révéler pratiquement ses paroles de racistes, eh ben, il devra être exclu du terrain pendant un certain temps en attendant que l'enquête aboutisse. Donc, par élégance, il a préféré se taire. Il a préféré pratiquement se taire. Bon, c'est ce qu'au moins nous avons comme une première version sur la toile. Je crois qu'avec les enquêtes, on aura peut-être une version finale qui pourra entraîner effectivement des sanctions pour que pareil comportement ne revienne plus. Serge Nseka, ces tensions ont impliqué par la suite les deux équipes, les Léopards de la République démocratique du Congo et l'équipe du Maroc, et a continué dans le tunnel des vestiaires du stade Laura Pokou. Vous, en tant qu'analyste, comment voyez-vous ça? Triste, triste pour une activité qui devait être une fête,
de l'Union africaine, où les frères africains devaient se retrouver pour célébrer. Après tout, ce n'est qu'un jeu. Après tout, ça ne nous lie pas de manière ontologique. C'est peut-être par un prestige, je dirais, lié à ludique, mais je ne pense pas qu'on soit amené jusqu'à étaler nos insuffisances, nos rancœurs sur la place publique. Mais je crois que la responsabilité de la CAF est engagée dans cette histoire-là. Les équipes du Nord ont toujours tendance de regarder les équipes du Sud comme des sous-fifres. C'est-à-dire que quand le ceux du Nord, là, nous appellent Africains, mais ils viennent participer à la CAN, pourquoi? Et on ne le voit jamais dans les championnats européens. On ne le voit pas là-bas. Donc, c'est-à-dire dans leur tête. Oui. Ils traitent les autres comme de moins que rien, alors qu'ils sont africains, alors que nous participons tous dans les mêmes compétitions. Nous sommes régis par la CAF et aussi qui est laxiste dans ce sens-là, qui n'applique pas. Moi, j'ai comme l'impression que Chancel Mbemba n'avait pas été suffisamment protégé, et sur terrain, et quand l'entraîneur marocain l'a abordé, et même quand il est entré dans le vestiaire. Mais il a fallu faire quoi à la place? C'était des joueurs eux-mêmes. Oui. Mais je pense que Chancel a été élégant. Oui. Il n'a pas voulu répéter devant la presse le propos discourtois de l'entraîneur. Ça, c'est un signe de maturité. On l'a insulté sur la toile, on l'a insulté, les Marocains l'ont insulté, mais moi je pense que c'est un monsieur, et il le dira, et certainement il a dit à la FECOFA, aux responsables de l'équipe et aux organisateurs, et c'est le lieu peut-être de le dire, mais aussi nous devons avoir une fédération forte, papa. Oui. On va nous respecter par l'ampleur, l'envergure de notre fédération. Elle représente quoi aujourd'hui FECOFA? Quelles sont les personnalités qui peuvent se lever et parler à son homologue marocain, rappeler à l'ordre, demander, exiger des sanctions? Parce que ces sanctions-là, ça n'arrive pas automatiquement. C'est selon la tête des clients. Si on a des gens capables de discuter avec la CAF, là, sincèrement, je suis en train de regretter Constant Omari qui, dans pareille circonstance, pouvait prendre la parole et se faire respecter la voix du Congo. Mais je voulais terminer par... quelque chose, l'échange médiatique et même sur le net dont Cédric Bakambu est victime. Chers amis, mais Bakambu c'est notre joueur. Ça arrive à tous les grands, ça arrive à tout le monde. Vous avez vu que même quand il prenait le ballon, il était sous pression, il était tendu, il était conscient de la responsabilité. Et comme leader, comme joueur majeur de l'équipe, il voulait faire quelque chose. Pas pour lui, mais pour donner de l'avantage. Mais il a fallu pour lui démarquer quand même. Nous-mêmes, nous avons commencé à surveiller le fleuve et de l'autre côté, on nous regarde. La CAN ne se joue pas seulement en Côte d'Ivoire, mais aussi ici. Je salue les amis de Brazzaville. Alors, c'est vraiment un poids, c'est toute une responsabilité. Qu'on arrête, on peut regretter, on peut dire des choses techniquement, mais qu'on reste là. Très bien. Qu'on n'aille pas loin, parce que là, c'est vraiment tuer quelqu'un, tuer le moral de quelqu'un, et c'est pas bon. Mais c'est Gandhi, Mbemba Chancel a déclaré avoir entendu un mot déplaisant tout en refusant toutefois de mentionner de quel mot il s'agit. Certains ont insinué qu'il s'agissait des propos racistes tenus par les sélectionneurs de l'équipe marocain. Vous, en tant qu'analyste, pensez-vous que il a fallu que l'entraîneur puisse tenir de tels propos à l'endroit de notre joueur? C'est inexcusable, ce genre de propos, que ce soit des propos injuriés liés au racisme, que ce soit des injures qu'on connaît au quotidien, c'est inacceptable. Donc, j'ai fait bien les propos de José et de Serge, oui, pour ne pas prendre longtemps le temps d'antenne. Mais moi, j'avais déjà perçu, déjà là, sur le terrain, il y avait une tension perceptible. Certes, l'arbitre a sifflé certains comportements, mais pas tout. Il a sifflé simplement le tiers. Il aurait sifflé l'ensemble des mauvais comportements de joueurs marocains à l'envers de joueurs congolais. Je pense qu'ils auraient terminé le match à 10, puisqu'à la fin, là, puisqu'ils n'arrivaient plus à contrôler le match, donc ils sont rentrés dans un esprit d'énervement. Et donc, c'était les joueurs qui payaient ça à chaque fois. Comme l'arbitre a été très large, voilà, ça ne pouvait que se terminer comme ça s'est terminé là. Donc, on ne peut que condamner ce genre d'actes.
et faire en sorte que les instances supérieures du football congolais puissent s'impliquer là-dessus. Pourquoi pas notre ministre de sport, s'il y a carence au niveau de la FECOFA, que le ministre intervienne, voire même le ministre des Affaires étrangères, puisque c'est le football, c'est simplement, c'est pas simplement nos équipes, mais c'est aussi nos États qui sont aux prises pour quelque chose de ludique. Mais on ne devrait pas en venir aux mains, aux injures, alors d'autant plus que les deux pays ont une histoire où il y a des rapports très privilégiés. On a vu à l'époque de Mobutu, même maintenant, je pense que les relations sont des très bonnes relations au niveau officiel. Il ne faudra pas qu'à partir d'un entraîneur ou d'un petit joueur, excusez-moi, puisqu'un grand joueur ne pourra pas se permettre d'aller jusque-là. Très bien. Monsieur Joseph Kongolo, changeons de registre pour parler cette fois-ci de l'investiture du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En marge de cette investiture le samedi 20 janvier 2024, est-ce le slogan des campagnes plutôt, ou plutôt une idée forte chère à son défunt père Étienne Tshisekedi des Rises Mémoires a ressurgi dans la conscience collective? Il s'agit donc du peuple d'abord. Comment voyez-vous ça? Bien, merci beaucoup Eddy pour la question. D'abord, oui. Il faut dire que Tshisekedi est lourdement endetté par, à l'égard de la population congolaise, au vu du résultat d'abord des élections. 73%, c'est pas africain ça. C'est pas africain. Alors, si effectivement 73% de l'électorat a dû choisir Tshisekedi comme président de la République, ça veut dire qu'il a un poids sérieux du peuple sur sa tête. Et toutes les promesses qu'il a eu à faire, n'est-ce pas, que ce soit dans son discours ou dans les promesses du premier mandat, n'est-ce pas, pèsent lourdement sur lui. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, l'envergure de la cérémonie doit montrer le degré d'engagement du président de la République pour transformer la République démocratique du Congo. C'est encore une dette. Parce que quand vous voyez la prestation de serment, en réalité, c'est devant la Cour constitutionnelle, ça peut se faire dans une chambre, ça peut se faire dans une salle, n'est-ce pas, avec quelques témoins, peut-être quelques amis, présidents, collègues, ainsi de suite, et tout ça. Alors, l'envergure de toute cette organisation montre encore qu'on a rehaussé, on a remonté un tout petit peu la barre, oui, un peu plus au-dessus, pour que les résultats de ce mandat ne soient pas des résultats au rabais. Donc, nous allons en fait observer et apprécier en fonction de l'image de la grandeur, le gigantisme qu'il veut montrer, non seulement aux Congolais, mais en face du monde, et qu'il doit faire des grandes choses. Mais vous pouvez parler, ça, la pratique devient difficile lorsque on rencontre un certain nombre de problèmes et des réalités. Il s'est lourdement endetté en organisant une manifestation grandiose. Oui. Et cette manifestation doit dénoter la hauteur des réalisations qu'il doit faire. Oui. Et nous allons tenir à ça. N'est-ce pas? Parce que dans un discours politique, vous savez, c'est un discours de politique générale. Dans un discours de politique générale, dans le monde entier, il n'y a pas de mauvais discours, de toutes les façons. Pas de mauvais discours. Mais par contre, c'est au premier budget de cette année, nous allons essayer d'analyser le discours et les affectations budgétaires pour voir si les priorités relevées dans le discours, oui, n'est-ce pas, se reportent sur les affectations budgétaires. Ça, nous allons le faire. C'est là où nous allons entrer en profondeur pour voir si le discours reflète, n'est-ce pas, le premier budget, n'est-ce pas, qui va venir tout à l'heure. Mais ce qui est vrai, c'est que le président de la République nous a donné, nous, les éléments d'appréciation, c'est que nous n'allons pas le prendre. Nous n'avons plus d'excuses à son endroit, ni de la guerre de l'Est, ni encore des contingences internationales qui vont advenir, moins encore, n'est-ce pas, d'autres petits problèmes qui vont advenir. Nous fixons notre regard sur le gigantisme, n'est-ce pas, et peut-être la grandeur de l'image qui veut donner la République démocratique du Congo, et n'auront pas d'excuses, n'est-ce pas, pour faire des critiques là-dessus. Très bien. Serge Nseka, vous avez suivi l'argumentaire de Joseph Kongolo, mais malheureusement, nous avons constaté les bonnes intentions du président de la République qui ont été mises en mal pendant les deux premières années lorsqu'il a commencé en 2018 par le maudit attelage FCC Cash. Pensez-vous que cette situation va-t-elle se répéter au cours de ce quinquennat?
J'accorde au chef de l'État des augures favorables et j'espère qu'au fond de lui, il a conscience de ce qu'on est en train de dire là. Les degrés d'expectation de la population est très élevé, les degrés d'attente est très élevé. Oui. On l'a vu s'engager lui-même personnellement, s'est mouillé la chemise pendant la campagne. Et on l'a vu aussi organiser avec faste cette cérémonie de prestation de serment, donc ce qui correspond à l'idée qui s'est faite de son quinquennat, de sa présidentielle pour les 5 ans. Alors, on a écouté son discours, les 6 points qu'il a développés, qui rencontrent pratiquement les attentes de la population. Oui. En tout cas, si vous lisez relisez les discours du président Tshisekedi, vous verrez que il a répondu presque mot à mot aux préoccupations, à tout ce qu'il a entendu pendant la campagne. Ouais. Ça, c'est une chose. Mais pour arriver, pour réussir au-delà du budget, comme l'a dit M. José Kongolo, et je pense qu'il faut une équipe. L'attelage qui doit conduire cette vision. Commencer d'abord. Les gens sont en train de voir sa cour, son cabinet, c'est vrai. Mais moi, je veux dire, l'équipe, la coalition, parce qu'aujourd'hui, il y a des fissures. Les résultats des législatives, les résultats de provinciales et peut-être des communales qui vont arriver, ne sont pas des natures à garantir la paix, la sérénité de cœur et des esprits. Et quand on a des partenaires sur qui vous, au départ déjà, il y a des diversions de vision, je pense que ça sera difficile de parvenir à quelque chose. Donc, l'autre challenge de Félix Tshisekedi sera de nous montrer à nous que ces amis-là, qui créent un ordre de compagnons de la Révolution, de compagnons de Félix, et qui auront un rôle peut-être d'accompagnement et tout, mais qui prennent des gens qui seront jugés sur le résultat, qui seront résultés par rapport à leur efficacité, et qu'il essaie un peu de resserrer ses rangs, de discuter avec ses partenaires. On a vu des gens qui se sont mouillés, Jean-Pierre Bemba, Bahati Bukwebo, Vital Kamere, le Mosso, tous les autres. Et là, ils ont apporté de l'heure pour qu'on fasse barrage au bloc de Katumbi qui était en face, qui n'était pas moindre. Oui. Qui n'est pas moindre. J'ai vu Katumbi dans sa campagne, on disait qu'il était médiocre et tout, mais quand il parlait des VAR, il était en osmose avec la population. C'était pas rien. Donc, le président Félix s'est engagé à payer de son corps, de sa vie, pour avoir cette victoire-là. Et cette victoire ne doit pas tomber à l'eau du fait des mécontentements ou des caprices de certains amis, parce que par le passé, non, on n'est plus dans le passé, on doit voir le Congo. Et l'intérêt du Congo exige aujourd'hui la sérénité autour de la famille présidentielle, famille politique, et aussi qu'on puisse balayer la cour. Dans la cour, vous apportez quoi? Des gyrophares, des costumes, des voyages et après? Parce que tous ceux qui ont voyagé avec le président pendant les vacances, la campagne ici, vous avez vu qui? Des gens des selfies et tout le reste, dans les avions, des communicateurs internationaux. On a vu qui relayer les discours du chef de l'État? Pas grand monde. Pas grand monde. Donc, on doit prendre tout cela en considération et essayer d'avoir toujours comme indicateur en face la population, le besoin de la population. Aujourd'hui, les degrés de détresse est quand même élevé, et la misère est là, la pauvreté est là, il y a la cour, le franc congolais qui continue à perdre de sa valeur. Les dire, c'est pas être contre le président, parce que lui-même l'a dit, il a parlé de taux de stabilisation monétaire. Donc, si nous on le dit, c'est pas qu'on soit contre. Et je pense que c'est même le moment de le dire, que les amis du président ne le prennent pas mal. Ses frères le prennent pas mal, mais il est le président des Congolais. Il n'est pas le président d'un parti politique. Il est le président de tous les Congolais, même de ceux qui n'ont pas voté pour lui. Très bien. Monsieur Gandhi, oui. Je reviens à vous. En dépit de quelques actions réussies sous la bannière de l'Union sacrée de la nation durant les 3 dernières années, de son premier quinquennat, notamment au chapitre de la gratuité de l'enseignement, de la gratuité de la maternité, le peuple congolais est resté dans sa soif, surtout en ce qui concerne
les attentes en rapport avec le social, pensez-vous, cela va réellement être concrétisé? Oui, d'abord, je dis l'événement qu'il a consacré, c'est un événement qui est et qui restera dans l'histoire de mon vivant. Et puis, au travers de mes différentes lectures, je n'ai pas vu ou compris qui, avant lui, un chef d'État congolais, voire même africain, a eu ce genre de consécration. Par rapport à la question, moi j'ai dit... Pourquoi vous rigolez? Vous les direz peut-être plus tard. Je dirais que par rapport à votre question, oui. Moi j'ai dit c'est une opportunité, une double opportunité. À la fois une opportunité pour le président de la République d'aller plus loin, de concrétiser ce qu'il a promis au peuple congolais. Il y a eu des signaux déjà, même si aujourd'hui les gens ne sont pas tellement perceptibles par rapport à ce qui a été fait, vous l'avez dit, oui. Pas mal de réalisations ici ou là. Je pense que cette fois-ci, c'est une opportunité pour lui d'aller encore plus loin, de répondre à l'essentiel des besoins, de l'attente de nos populations. Une opportunité pour nos populations de pouvoir enfin vivre un avenir porteur d'amélioration de leurs conditions de vie. J'en veux pour preuve, c'est-à-dire pour l'essentiel, il a dit qu'il va se battre pour le mieux-être et la dignité du peuple congolais. J'ai retiré ou gardé une phrase, « Je vous ai entendu ». Ça me rappelle un certain « Je vous ai compris » de De Gaulle. Donc « Je vous ai entendu », la preuve en est que même dans son discours, il a essayé de reprendre sur quel point il a entendu le peuple, notamment sur ce que Serge disait sur le pouvoir d'achat, la stabilisation de notre monnaie, mais il y a aussi l'emploi de jeunes et des femmes, il a insisté là-dessus. Et puis la sécurisation des personnes, notamment les cas qui se passent non seulement à l'Est, quand on parle de sécurisation des personnes, mais c'est aussi à Kinshasa. Oui. On a vu quelques jours avant cette consécration, l'arrestation de 300 Kulunas, et ça va se poursuivre. Moi, je dis, ces objectifs sont très clairement définis. Un objectif pour qu'il y ait plus d'emplois, plus de pouvoir d'achat et de la sécurité. Il y a des éléments. Il s'est battu, il a fait des tournées au niveau du monde. On a dit que c'était un voyageur, un touriste. Je donne un exemple. Lui-même en a parlé. La presse ne reprend pas totalement cela. Moi, jusque-là, je disais qu'on avait dans notre bas de laine, c'est-à-dire 2 milliards 200 millions de dollars qui restaient dans le contrat chinois. Mais finalement, quand il est allé renégocier le contrat chinois, on a plutôt un bas de laine qui est beaucoup plus intéressant, qui est de presque 7 milliards. Presque 8 milliards. Donc c'est très intéressant si réellement cet argent-là va à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est multiplier le nombre de kilomètres de voies ferrées. De voies ferrées qui puissent faire en sorte qu'il y ait une connectivité entre les différentes provinces. Il faudra aussi des milliers de routes et des autoroutes. Cet argent permettra de construire d'autres hôpitaux au niveau des provinces. Il ne faudra pas, comme ceux de Kinshasa qui vont aller se faire soigner en Inde ou en Europe, que ceux de province viennent se soigner en Kinshasa, faire en sorte que dans tous les pôles plus importants, qu'il y ait des grands hôpitaux avec du matériel moderne. Oui. Donc faire en sorte que les 145, le projet de 145 territoires aille très vite, ce qui peut résorber un peu le chômage, l'agriculture. Un point important, il faut mettre de moyens dans ce budget-là, il faut revoir le budget. Il faut un collectif budgétaire pour pouvoir revoir à la hausse les budgets de l'agriculture, l'élevage, la pêche. La pêche, il y a déjà une bonne augure, dans le sens où dans quelques mois, nous aurons les trois premiers bateaux qui vont arriver sur le 8. Je pense qu'il faudra même doubler le nombre de ces bateaux de pêche. Moi, j'ai dit qu'il y a beaucoup de choses à faire, il y aura beaucoup d'emplois de créer, mais il faut s'atteler à former des professionnels. Aujourd'hui, moi, je préconise que le gouvernement qui va être mis en place, en passant, que ce soit un gouvernement resserré, limité à moins de 25 ministres. Pas budgétivore. Là. Pas budgétivore. Oui. C'est pas seulement par le fait qu'ils nous bouffent de l'argent pour rien, mais c'est aussi qu'on rentre dans les axes, les 6 axes du président de la République. Les 6 axes ne demandent pas d'avoir 40 ministres ou ministères. Mais un petit gouvernement risque de ne pas satisfaire les intérêts des alliés. C'est pas le gouvernement qui fait les choses. Pour moi, c'est l'administration. Oui. L'effet de réduire le nombre de membres du gouvernement
le nombre des ministères, c'est renforcer l'administration. Comment? Quand on parle d'éducation nationale, il y a une éducation nationale, il n'y a pas des éducations nationales, comme on a eu deux ou trois ministres de l'éducation nationale. Oui, on concentre le ministère de l'éducation nationale, auquel il faut rajouter jeunesse et sport. Il faut former des jeunes, pas seulement sur le plan intellectuel, mais aussi sur le plan physique. On voit ce que ça peut apporter au pays. Le bonheur, quand notre équipe de départ joue très bien, etc. Mais il faut former les jeunes à la fois sur le plan intellectuel et sur le plan physique. Un ministère, un gros ministère, avoir des ministères de l'éducation nationale, jeunesse et sport. D'ailleurs, la France nous a devancés. Nous, on parlait de ça ici. La France, dans son dernier gouvernement, les ministres de l'éducation et aussi ministres de sport. Oui. Donc, il faudra arriver. Ce que j'ai dit pour l'éducation nationale, on peut le mutuler par rapport à d'autres ministères. Non seulement ça fera que l'administration, les secrétaires généraux, les directeurs généraux aient réellement le pouvoir d'administrer ce pays. L'administration, c'est le socle. On a vu en Belgique, quand il y a eu des problèmes politiques là-bas, pendant un an, c'est l'administration qui a géré le pays. On doit arriver à ça. Aujourd'hui, l'administration est délaissée au profit des cabinets, cabinets entourés par des gens qui n'ont pas de connaissances réellement de leur ministère, etc. Donc, on peut arriver à faire une émission là-dessus pour des propositions avant que le gouvernement soit mis en place, pour ne pas qu'on soit là à suivre et à critiquer. Donc, on peut déjà, nous, à notre niveau, préconiser ce qu'on souhaite au nom du peuple et au nom de ce pays ici. Très bien. Monsieur Joseph Kongolo, des chantiers névralgiques, peut-être que, je dirais même l'emploi, l'autosuffisance alimentaire, de la déserte en électricité et en eau potable, n'ont pu répondre aux besoins sociaux des bases. Pensez-vous cette fois-ci, ça sera la meilleure? Bon, d'abord je reviens sur ce que M. Gandhi venait de dire tout à l'heure. Vous savez, nous avons souvent tort quand on fait parfois certaines comparaisons. La RDC est d'abord 4 fois plus grande que la France. La France est un pays développé où le pouvoir est dans les institutions. Ce qui est différent de notre pays qui est en développement politique, en développement administratif, voyez-vous? Et quand on voit les défis que nous avons à relever, ça veut dire qu'il faut disséquer la difficulté, le problème, le défi pour le maîtriser. Et cela demande non pas la concentration des ministères, ça je le dis, mais plutôt il faut éclater les ministères pour que chacun soit concentré sur une matière précise et donnée pour le résultat. Alors si vous croyez qu'il faut mettre l'éducation, les sports et tout ça ensemble, moi je dis, dans l'état où se trouve la République démocratique du Congo aujourd'hui, je crois que ce serait une mauvaise procédure. Ça c'est la première chose. Deuxièmement, nous avons un niveau de développement politique très bas, qui veut, aujourd'hui, il nous faut absolument, on l'a dit tout à l'heure, il y a eu beaucoup de frustration, ça veut dire qu'il faut caser suffisamment des politiques, non pas seulement dans les ministères, mais plutôt dans d'autres institutions qui doivent, en principe, faire le contrepoids de ce qui existe. Ça veut dire, les institutions de contrôle, il n'y en a pas assez, l'IGF elle-même ne saura pas faire tout ce qu'on est en train de faire là. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il faut ouvrir d'autres institutions. Ce qui fait qu'il faut caser, occuper une majorité des politiques, n'est-ce pas, dans les institutions. L'essentiel, c'est de les former, que ce soit des gens compétents, pour pouvoir atteindre les objectifs. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, quand vous dites que les défis sont très grands, quand les défis sont très grands sur un espace de 2 345 000 km², il faut décentraliser le pouvoir. On l'a déjà décentralisé sur la forme. Oui. N'est-ce pas? Mais est-ce que dans le fond, le pouvoir est décentralisé? Vous faites allusion à quoi, effectivement? Ça dit que nous avons 2 sources de pouvoir aujourd'hui. Oui. Nous sommes au niveau national, au niveau provincial. En principe, on doit aller plus loin, au niveau des entités décentralisées. Malheureusement, on est pratiquement en expérimentation avec ces élections. N'est-ce pas? Est-ce que quand vous voyez le comportement du gouverneur par rapport aux députés, par rapport au bourgmestre, vous comprenez ça? Est-ce que le gouverneur, n'est-ce pas, il fait la rétrocession au niveau des administrations locales? Non. Donc nous sommes dans la forme, dans la charpente institutionnelle, nous avons une décentralisation du pouvoir. Oui. N'est-ce pas? Mais dans les faits, ce sont des choses qui n'existent pas. Très malheureusement, ça n'existe pas. Même les petites sources d'argent des entités décentralisées telles que les petits marchés par-ci par-là, c'est la DGK qui s'en occupe aujourd'hui.
Ce qui fait que nous avons des institutions qui n'ont pas de moyens pour travailler. Voyez-vous ? Donc, il y a un travail en profondeur qu'il faut arriver à faire. Plus vous avez le défi, plus il faut arpenter des moyens pour pouvoir relever ce défi. Les moyens, là, c'est quoi ? Ce sont des politiques, ce sont des réformes, ce sont des compétences qu'il faut mettre ensemble. Et ça, c'est un grand travail. En fait, on ne peut pas être leader, n'est-ce pas, sans être capable de choisir des gens capables de t'accompagner, n'est-ce pas, dans le défi. Mais il y a des réformes qui souffrent d'application jusqu'à ces jours. Mais justement, c'est ce que je suis en train de dire. Nous sommes dans la forme, mais nous ne sommes pas dans le fond. Je ne sais pas si vous me suivez. Nous avons de la charpente. Mais vous entendrez parler. Nous avons des lois qui existent. C'est comme si vous voulez qu'on assiste aussi à une floraison des réformes, alors que ce qui est déjà là n'est pas appliqué jusqu'à présent. Je vous donne raison, on commence par appliquer les réformes qui ont été déjà adoptées. On commence par faire ça. Et voir ajouter d'autres réformes. Oui. Il y en a encore, il y a encore beaucoup de besoins pour arriver à relever tous ces défis-là. Et là, moi, j'ai recommandé au président de la République, je crois que je lui ai écrit même au début du mandat, il y a ce qu'on appelle les cabinets Moulili hein, chez nous ici. Le président doit avoir des cercles de réflexion, ce qu'on appelle en anglais le think tank, où des gens qui ont l'expérience, des gens qui ont fait longtemps dans un domaine donné, des gens qui ont les clés pour le développement de certains secteurs, s'ils ne peuvent pas être pris dans les institutions, mais au moins ils peuvent participer en donnant des idées précises. Oui. Voyez-vous ? Et ces idées-là, quand on vous les donne, qui les étudie ? Il faut aussi une équipe qui soit capable de déchiffrer, d'étudier des projets, n'est-ce pas ? Et d'approcher les gens, d'affûter, n'est-ce pas, tous ces projets avant de pouvoir les mettre en chantier. Même les 45 territoires, ce sont des idées qui sont venues des gens et que le président a adoptées. Voyez-vous ? Or, il y a plusieurs projets. Nous avions dit ça. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, le monde... Chuté. Le monde est à une très grande vitesse. Les transformations dans le monde sont à une très grande vitesse. Il faut des structures d'anticipation. Est-ce que nous avons des systèmes d'intelligence stratégique ici ? Donc nous avons beaucoup d'intellectuels qui chôment, et il y a d'autres qui se plaisent à voler l'argent, alors que ce sont des gens auxquels on peut donner 1000 dollars, 700 dollars par mois, pour tout simplement se réunir, voir la marche du monde, qu'est-ce que le Congo doit faire pour résister dans l'évolution du monde ? Qu'est-ce qu'il faut pour maintenir le territoire national, par exemple, pendant que le monde entier veut ? Il y a des cercles de réflexion. Il faut construire, entretenir, pour donner des idées, et ces idées-là, pour construire la matière. Je vais vous donner un dernier exemple. Aux États-Unis, par exemple, chaque président avant d'entrer en fonction, il y a... Les États-Unis font le tour du monde. Ici, chez nous, ils viennent, ils louent les véhicules, ils font le tour par route, malgré l'état des routes, pour prendre les opinions des gens. Et ils s'arrêtent ici à Bandundu. Des différentes préoccupations, en fait. Et quand le nouveau président arrive, on lui donne l'état du monde. Voici ce que représente le monde. C'est-à-dire qu'on fait la synthèse de toutes ces données qu'on ramasse sur le terrain. On lui dit, voici l'état du monde. C'est la pauvreté, c'est ceci, c'est cela, c'est cela, c'est cela. Comment les États-Unis peuvent maintenir leur émergence ou encore leur prééminence sur les autres nations. Et vous avez des éléments sur base desquels vous pouvez construire des politiques qui réussissent. Donc, nous avons aussi, nous, ce défi-là. En tant que le président a montré, la cérémonie a été grandiose, nous devons aussi être grands dans la manière de réfléchir, non seulement pour le Congo, évidemment aussi pour l'Afrique, parce que nous devons aussi exercer le leadership africain. Très bien. Changeons de registre pour parler cette fois-ci. C'est ce que j'avais annoncé tantôt au début de cette émission, par rapport à la gestion de la ville province de Kinshasa. Mais c'est ça, on ne sait pas. Hier, Gentil Ngobila a été suspendu de ses fonctions. Aujourd'hui, la gestion est gérée par... la ville est gérée par Jokoko Mulumba. Pensez-vous qu'il va démêler les chevaux? Je fais un lien avec l'avant-dernier sujet. Le chef de l'État vient avec beaucoup de promesses, beaucoup d'attentes, et qu'il promet de travailler autrement. Et travailler autrement, c'est notamment l'efficacité, l'effectivité de l'action politique. Il y a au tout dernier conseil des ministres, il a demandé à charger quelques ministres de se charger du dossier relatif aux inondations dans la ville de Kinshasa. Nous sommes dans la ville de Kinshasa. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien qui se fait. Sauf
des gens qui sont appelés dans des bureaux des quartiers pour inscrire leur nom. Le changement attendu n'est pas encore au rendez-vous. Bémol, il n'y a pas encore de gouvernement. Mais il y a un gouvernement qui travaille. Donc l'État n'est pas en vacances. Cet esprit que nous attendons, la parole du chef doit toujours correspondre à une action. Quand il parle, c'est une action. Austin l'a dit, quand dire, c'est faire. C'est-à-dire que quand le président dit, il agit. Quand il te dit que j'étais non ministre, tu deviens ministre et départ sa parole. Mais ils expédient les affaires courantes, ils ne peuvent ils pas aujourd'hui la ils prendre la des décisions en attendant la quand il voyage, la sur quand pied ils voyagent sur le renouvellement réélu. Quand ils se réunissent, ils expédient pas, ils gèrent la République. Même pendant la campagne, ils étaient restés là avec la responsabilité de gérer. C'est là qu'un exemple, je ne vais pas rentrer là-dedans. C'est-à-dire que le chef a dit, on a planché sur ces dossiers-là dans le Conseil des ministres, il n'y a rien. La ville de Kinshasa, Ngoubila est partie. Il y a eu de la résistance, il y a eu de l'incompréhension. Mais l'État, on ne discute pas avec l'État, on n'engage pas le bras de fer avec l'État. Pour le 3-4 mois qui restent, c'est le temps d'installer les nouveaux représentants de Kinshasa. Ils sont là, félicitations à tout le monde, à Jésus Cheke, à Misso, à tous les restes, à Mouyaya, à Kakonde, à tous ceux qui sont entrés. Et vous allez voir que presque personne n'est revenu. Je sais, je n'ai pas encore fait la comparaison, mais presque pas. Presque 2 ou 3 ou 4, tout au plus 5. Sur 48. Sur le 48. Ça signifie qu'il y a eu une aversion. Ces gens-là n'ont pas fait leur travail. Gekoko, qui est un élu de Kinshasa, oui. N'oubliez pas. Gekoko, qui a travaillé avec Gentili Ngobila, c'est où se trouvent les priorités. Moi, je ne pense pas que le rôle du gouverneur, c'est de descendre dans la roue, sur la rue et commencer à régler la circulation. Non, il y a des gens qualifiés pour le faire. Même quand on est gouverneur, il faut aller à l'école, apprendre comment régler la circulation. Et là, il y a des dérapages comme ça dans le chef de certaines autorités pendant cette mandature qu'on ne doit pas voir. Un roulage, c'est un élément, un agent que même le président de la République est censé respecter. Parce que la République l'a envoyé à l'école, on les appelle des agents qualifiés. Ça, ce n'est qu'une parenthèse. Le genre d'activité que le Gekoko, le gouverneur AI, doit vraiment s'atteler, oui. Permettre à la ville de Kinshasa de rentrer dans ses droits à travers la DGRK. On en a parlé, malheureusement, on n'a pas le temps. Est-ce que vous pouvez imaginer les dégâts que les conflits entre le pasteur Godem Koupoy et Gentili Ngobila a causé à cette structure? Quand on dit que celui-là vole l'argent, on chante dans son église, même, je ne sais pas, quand il s'agit... Mais ils sont également butés par l'État, pensez-vous qu'ils vont résoudre quand il tout ça? Quand il s'agit d'un Bongo, il y a le peu des boucliers, mais les Godem Koupoy ont le droit de faire la politique, d'insulter, d'attaquer les gens dans leur église sans que ça n'ait même personne. C'est 2 poids, 2 mesures, je ne comprends pas. Je referme vite la parenthèse. C'est-à-dire que la population aujourd'hui hésite pour payer l'impôt. Il y a la grande échéance qui arrive là au 1er février, on doit payer l'impôt foncier et le retenu locatif. Mais les gens hésitent. Pourquoi? Parce que quelqu'un, une autorité de la ville de Kinshasa, a sali. On ne doit pas personnaliser le pouvoir. On est là pour un temps. Oui. Et pour, c'est-à-dire, le gouverneur doit, Gekoko, doit aider la DGRK à faire son travail. Doit assainir. Le gouverneur doit s'occuper des sinistrés qui sont là, abandonnés à leur propre sort. Bien qu'on parle de la responsabilité du gouvernement central, mais la ville aussi a des fonds, a des moyens pour intervenir, ne serait-ce que de manière symbolique par rapport... Quitter le centre-ville pour aller à bon marché ici, c'est une sinécure aujourd'hui. Je crois qu'il est mieux placé comme élu de Kinshasa, Kingabwa, du métier, et comme Kinoa. Ayebi ma réalité à Kinshasa Gekoko, 48 heures. Ayebi en retour sur le monde avec Kinoa. Ayebi en haut. Bisous aux années pour nous rappeler. Et il est payé pour faire ce travail. Nous comptons sur lui. Pona, avant de s'attendre, à Tikamota Nanzila, qui va au Baroya au Koutaba Kouta qui a quelque chose. Parce que, écrivez une lettre aujourd'hui. Dans ma ministère de la Bissau Ville à Kinshasa ici, on ne vous répond pas.
L'administration n'existait pas. Les amis ont parlé de l'administration ici. Un des signes qui pourra montrer que le pays change, quand vous écrivez à tous les niveaux, de la présidence jusqu'au bureau du quartier, on vous répond. Et combien, Dieu seul sait combien, M. Kongolo a écrit à la présidence, je ne sais pas s'il a reçu une réponse. Je ne sais pas, je ne sais pas s'il a reçu une réponse. Il n'y a pas de réponse. Il y a des gens qui sont là, mais qui ne font pas leur travail. Quand on écrit au chef de l'État, dans son serment, il a promis d'être serviteur de tous les Congolais. Quelque chose dans ce sens-là. C'est-à-dire que vous, vous écrivez au chef de l'État, il est dans l'obligation de vous répondre. Chance pour lui, ce n'est pas lui qui écrit. Mais il y a des gens qui doivent lire et lui rendre compte et vous répondre. Oui. Matata le faisait. Absolument. Matata le faisait. Notre agence a écrit pour solliciter une accréditation du temps de Matata. Nous avons reçu une réponse signée du Premier ministre. Donc, ce qui s'est fait de bien des Congolais, on doit avoir le courage de les reconnaître. Même si on change de temps, mais ce qui est bien, et si on ne veut pas reconnaître le bien des autres, on va casser les maillons de valeurs que nous voulons construire dans ces pays, on va commencer à répéter les mêmes choses, les mêmes erreurs même. Monsieur Gandhi, oui. Toute révolution, certes, finit par bouffer ses propres enfants. Néanmoins, le timing de la persécution sacrificielle de Gentini Ngobila Mbaka dans la capitale interroge, car de toute évidence, il serait illusoire et voire même présomptueux de croire que la ville de Kinshasa serait mécaniquement acquise plutôt au pouvoir en place, notamment par rapport à la gestion. D'autant plus que vous avez suivi, certes, la réaction de CRNCK par rapport à ça. Votre réaction. Ma réaction, avant, je vais d'abord épuiser quelque chose qui nous met en lien avec José Kongolo sur l'administration. Je persiste et signe. De l'expérience de notre pays depuis 60 jusqu'à ces jours, on a toujours eu des gouvernements pléthoriques. Mais quand tu regardes les résultats, nul. Je persiste et signe qu'il ne faut pas qu'on continue avec cette façon de fonctionner. Il faut ressusciter l'administration. L'administration, c'est le socle d'un État. Tant qu'on n'aura pas mis en place un gouvernement efficient, efficace. L'exemple de M. Nseka est patent. C'est-à-dire vous écrivez, vous n'avez pas de réponse. Même le gouverneur, moi j'ai écrit plusieurs fois au gouverneur et au président de l'Assemblée. On peut le critiquer, Mpoyi répond au courrier dans le temps. Donc quand il n'y a pas une administration, que ce soit l'administration centrale, que ce soit l'administration de la présidence, de gouvernorat et autres. Mais on peut ou ne pas vous répondre, mais quand même. Non. Compte de ce que au-delà, c'est un exemple. Vous avez adressé. L'exemple que les amis ont donné, c'est un exemple. On doit répondre. C'est un exemple qu'ils ont donné. Mais il y a pire que ça. L'administration n'existe pas si vous allez vous rencontrer l'administration dehors, en dessous des arbres. Mais quand vous allez à l'intérieur, vous ne savez pas qui est qui. Vous verrez dans une pièce, ils sont à 5, à 6, à 7, à 10. Ils se disputent le traitement du dossier, moyennant quelque chose. L'administration n'existe pas. Il faut ressusciter cette administration. C'est ça qui peut soutenir l'État qu'on veut construire. C'est ça qui peut soutenir certains projets. Répondez maintenant à la question. Suivre certains projets sur le terrain, c'est l'administration. Oui. Ce n'est pas le gouvernement qui viendra suivre les actions sur le terrain, les actions du président, c'est l'administration. Pour répondre à la question, moi j'ai dit Ngobila, mieux vaut tard que jamais. Mais il y a longtemps que Ngobila devait partir. Ngobila faillit faire échouer le président de la République par rapport à ses dernières élections, ne serait-ce que pour la ville de Kinshasa. Dieu merci, ça en est bien sorti. Donc Ngobila, on ne devrait même pas continuer à discuter. Ce qu'on peut souhaiter, c'est que celui qui va remplacer Ngobila fasse le travail correctement. Moi, je vois des signaux aujourd'hui. Quand je vois Ngouma, complètement Ngouma va être en travaux. Ça a été improvisé, je ne pense pas. Le projet existait. Mais pourquoi est-ce que ce projet n'a pas vu le jour pendant que Ngobila était là? Manque de moyens, mais lorsque Ngobila a réduit l'opposition à sa plus belle expression, là, il était bien. Mais quelle opposition? Il devient mauvais. Non, mais il a réduit à sa plus simple expression, quelle opposition? L'opposition farouche. Non, mais vous pensez, l'opposition, c'est simplement pour aller manifester sur le terrain. L'opposition, c'est aussi un débat, un combat d'idées. Je peux être d'accord, mais, j'ai dit, je suis d'accord avec ce que le président a fait, mais, je ne suis pas d'accord, mais, etc. On n'a pas eu cette opposition intelligente
qui dit « Oui, ce qu'il fait, c'est bien. » Je vais encore citer quelqu'un, j'aurai des problèmes avec Serge. Le seul que j'ai vu dans l'opposition qui pouvait dire « Oui, mais » ou « Non, mais » c'est Mouzitou. C'est arrivé. Mais dans l'ensemble, l'opposition basée son rôle sur le terrain à faire des manifestations qui ne rapportaient rien. Ngobila parti, moi je pense que c'est une bonne chose pour lui. Ngobila parti, c'est une bonne chose pour les Tudois. Comment est-ce qu'on peut voir un gouverneur de la ville et locataire chez des gens, notamment là où il y avait des ministères de la ville? Ben, ils sont dehors après un jugement. Pourquoi ils ne payaient pas de loyer? Ça pose un problème. Je ne vais pas proposer le problème de ma famille où Ngobila nous doit beaucoup d'argent et qui ne paye pas, qui ne règle pas de loyer. Quel exemple il donne? Quel exemple il donne? Il faut que cette gestion de la ville soit donnée à d'autres personnes, à des vrais gestionnaires. Très bien. Monsieur Joseph Kongolo, je termine par vous. Faudrait-il admettre que Ngobila est victime expiatoire? Je crois que il faut apprendre à mieux chuter, à commencer, mais bien terminer. N'est-ce pas? Oui. C'est très important. Je crois que c'est ce que même l'entraîneur du Maroc, il a mal chuté, il a mal terminé parce qu'il était déjà sous pression. L'équipe sous pression, lui aussi était sous pression. Il a mal terminé le match. Je crois que c'est le cas de Ngobila. C'est vrai que Ngobila, on peut tout dire, hein, c'est l'un des meilleurs gouverneurs en termes de réalisation. Il le dit lui-même. Ah. Attendez, attendez. Ngobila vous construit le... Ah oui, moi je vois les faits, sur le terrain. Il vous a construit le grand marché. Moi, il le fait, il a fait. Attendez. Il a traîné les pas, Écoutez, il a traîné les pas, Le grand marché est là. Il a dit lui-même, moi je l'ai suivi, c'est le seul gouverneur qui a fait plus de 5 km de route sur la ville de Kinshasa. Et qui ont coûté 24 millions de dollars. Quand on sait que les standards de la route, c'est... Non, non, je termine. Vous êtes humain ou pas? S'il vous plaît. À moins que vous preniez les faits. Moi, je vois le grand marché là. 5 km, 6 km de route. 6 km de route. À 24 millions de dollars. Le courage de le faire. À 24 millions de dollars. Il a eu le courage. Il a fait ce marché. Il arrange des routes. Il a une plus de 5 des routes. Ici, à Kinshasa. Oui. Vous avez vu des routes, l'avenue du tourisme. Des routes construites par le gouvernorat. Attendez. 24 millions pour 6 km de route. Vous trouvez ça normal, monsieur Kongolo? Non, revenez. Vous êtes sérieux? Je l'ai comparé à 24 millions. Je l'ai comparé à Ngobila. Je l'ai comparé à Kimbuta. Je l'ai comparé à Kimbuta. Il n'avait pas cet argent. Ils n'ont jamais fait ça. Kimbuta n'avait pas cet argent. Comment expliquer? Il n'avait pas cet argent. Alors, il est fort. 24 millions. S'il vous plaît, ça veut dire qu'il a cherché l'argent. Ça veut dire qu'il a venu de parler. Il a cherché cet argent. Il a cherché cet argent et qu'il a commencé à faire ce travaux. Donc, le fait de chercher cet argent que Kimbuta ne pouvait pas avoir, lui a eu dans la même ville de Kinshasa. Immédiatement après lui, ça veut dire qu'il est déjà différent. Ça veut dire qu'il est différent. Non. Je ne dis pas qu'il est parfait. On va parler en termes d'efficacité et non en termes de réalisation bidon qui ont coûté plus que la normale. L'efficacité peut justifier. Non, un aspect. C'est pas un aspect. Ça, c'est un aspect de mentir aux Quinois. Il a un résultat. Mentir aux Quinois qu'on a construit. Il a un bilan. Alors qu'on construit. Il a un bilan. Si. Je ne suis pas pour Ngobila. J'ai dit ceci. Oui. De l'autre côté, c'est la ville la plus sale. C'est la ville la plus sale qu'on ait jamais connue. Oui. Ici à Kinshasa. Oui. Et ça, chaque jour, quand je voyage et quand je rentre, la première chose qui frappe l'œil, c'est la saleté de la ville. Là, je le condamne. Ah, proprement. C'est comme qui dirait, il n'y a pas des hommes parfaits, en fait. Ben évidemment, il n'y a pas des hommes parfaits. Oui. Mais en plus, il y a un problème de carence de gouvernance. Ça, je l'ai dit. Une carence de gouvernance notoire. Ngobila, par semaine, il a 2 jours au bureau, 3 jours il est dans des bureaux secondaires. C'est pas correct. Mais qui devait sanctionner? Pardon? Qui devait sanctionner Ngobila? Mais c'est l'Assemblée provinciale. C'est qui? C'est l'Assemblée provinciale qui doit sanctionner Ngobila. Qui était corrompu. Ah bah, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Mais c'est pas le problème. Vous voulez une chose au contraire. Non, je n'ai pas une chose au contraire. J'ai dit ceci. Oui. Ngobila a un bilan qu'il a présenté. Il a construit un marché moderne.
Ça, au moins, on ne peut pas le réfuter. Quel Marcelin? Deuxièmement. Sur oui, quel timing? On parle de la gestion moderne. Tout à fait. Ce Marcelin devait durer combien de temps? Devait coûter combien? S'il vous plaît. Ça a pris combien de temps? Et vous voulez sortir ça aujourd'hui comme un bilan? Au moins, ce marché existe. Deuxièmement. C'est fini? Il n'a pas moins de 15 km de route. Il est terminé. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Il n'a pas moins de 15 km de cette route. Alors, le ministre, s'il vous plaît. Le ministre, c'est 15 à 15 km. Non, c'est pas. C'est au moins un gouverneur qui a fait ce que vous avez fait.